Tu connais l'histoire de Leila Lombardi, femme et pilote de F1 ? Créée en 2019, la W Series est un championnat automobile réservé aux femmes et à l'entrée gratuite. Une réponse et un aveu de faiblesse de la FIA sur l'intégration de ces dernières dans le championnat de Formule 1, pourtant mixte sur le papier. Au cours de l'histoire de la F1, 5 femmes se sont élancées au départ d'un Grand Prix. Parmi elles, l'italienne Leila Lombardi. Elle a participé à 12 courses entre 1974 et 1976, et elle est la seule femme jusqu'à ce jour à avoir terminé un Grand Prix de F1 dans les points. Grand Prix d'Espagne 1975, Lombardi est placée en 6ème position lorsque la course s'arrête à la suite d'un accrochage qui a provoqué le décès de 5 spectateurs. Les points sont divisés par 2 car les sportifs n'ont pas concouru 3 quarts de la course, ce qui vaut à Lombardi la moitié d'un point. Jusqu'à ce jour, elle est aussi l'unique conductrice, hommes et femmes confondus, à n'avoir eu qu'un demi-point au classement général de la F1.